Normalement, ça doit préparer la séance. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien recommencer. Les gens qui sont en ligne, est-ce que vous arrivez à nous entendre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, parfait. Alors, le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de commencer à faire les web services de type REST. On va essayer de voir c'est quoi REST et pourquoi on doit utiliser REST dans notre application. Et faisons un petit rappel par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé de la séparation des couches. Donc, on a toujours notre couche présentation qui sera distante par rapport à ma couche service. Et là, j'aurai la partie présentation. Maintenant, on va l'appeler la partie frontale. Et la partie service, on va l'appeler la partie back office. Alors, si je vous dis que l'application front et l'application back sont développées en Java, les deux sont en Java. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On a dit qu'on va utiliser Remote Method Invocation. Remote Method Invocation. Et pour pouvoir utiliser Remote Method Invocation, on a dit que le back office came 4 éléments. Il va y avoir 4 éléments le back office. Le premier élément, c'est les classes modèles. Les classes modèles doivent être, selon ce qu'on a fait la dernière fois. Les classes modèles, ils doivent. Ça veut dire quoi? Hériter ou implémenter? Il faut implémenter, sérialiser. Donc la règle par rapport aux classes modèles, c'est que ils doivent implémenter, sérialiser. Ça, c'est la première règle. Deuxièmement, il faut créer une interface qui contient les signatures. Cette interface, elle contient des règles. Très bien. Elle doit faire un lien d'héritage avec l'interface remote. Et on a dit l'interface remote, elle est vide, mais elle fait des méthodes. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Après, on a dit toutes les méthodes doivent contenir throws remote exception. Deux règles par rapport aux interfaces Java. Après, ces interfaces doivent être implémentées par une classe d'implémentation. L'implémentation aussi. Très, très bien. Ils doivent avoir un lien d'héritage avec. Unicast Remote Object. Chez Remote. Remote lien d'interface. Donc, un lien d'héritage extends remote. Exception et throws aussi remote exception.
Et finalement, le fournisseur ou le back office, il doit mettre en place un serveur. Il doit mettre en place un serveur. On a appelé le serveur un serveur RIMI. Et on a dit qu'il contient trois instructions. Un, deux, trois. Réserver le port. Très, très bien. Et puis, le mapping. Non, avant. Instancier l'objet. L'objet de quelle classe? Très bien. L'implémentation. Et finalement, le mapping entre quoi? Une URL et l'objet que vous avez instancié. Trois instructions. Réserver le port, après instancier l'objet et finalement faire le mapping. Maintenant, ça c'est le fournisseur, c'est le back-office. C'est-à-dire des opérations qu'aime. Quand est-ce? Lorsqu'on travaille en ERIM. Et quand est-ce qu'on travaille en ERIM? Lorsqu'il est 200. Il doit donner maintenant, il doit donner à son client quelques éléments. Il doit partager avec son client quelques éléments. Lesquels? Les classements. Très bien. Alors, ici, je devrais quelque part avoir les classes models 1. Dans le service, il va avoir l'interface. 2. L'interface service. Pour les signatures. Très bien. Trois éléments pour que le front office puisse appeler. Alors, comment le client il va donner ces éléments à ce fournisseur, à son client? Comment le fournisseur va donner ces trois éléments à son client? C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Listener, il est là, il attend. Voilà qui ne bêche le client. C'est qu'on a deux à des trois éléments. Qui fait, je vais vous. Comment je peux donner à mon client l'interface, les classes modèles et l'URL? Si vous avez des idées par rapport à ça. Les gens qui ont déjà travaillé. Parce que la fashion installe l'application. Très bien. La première solution. Lorsqu'on va installer l'application, est-ce que le fournisseur installe quelque chose à le client? Oui. Est-ce que, autrement dit, le fournisseur, il connaît son client? Il a clé comme, maintenant, le service de la météo. Les gens qui ont développé le service de la météo, est-ce qu'ils savent que vous, vous allez appeler? Lorsqu'on développe le service, on ne connaît pas forcément nos clients. Comme l'exemple d'un service qui propose la météo. Excellent. Donc là, c'est Extend Unicast. Unicast, quoi? Remote object. Alors, ce que je suis en train d'aborder aujourd'hui, maintenant, ça, on a fait tout ça. On va essayer de voir comment je peux donner à mon client tous ces éléments avec la contrainte que je ne connais pas mon client. Une grande contrainte. Maintenant, je suis le client dit. Le client dit, mais il y a des méthodes. Il a un douche à des trois éléments. Il a un douche les classes modèles. Ou un douche l'interface. Ou un douche l'URL. Il ne peut pas. Alors, c'est pour cette raison, on va basculer vers des web services et on va supposer que ici c'est avec un autre langage, ce que vous voulez, langage que vous voulez. Maintenant, la partie frontale, il n'est plus développé en Java. Si la partie frontale n'est pas développée en Java, le RMI ne fait pas l'affaire, il ne faut pas l'utiliser. Ça fait? Alors, essayons de voir qu'est-ce qu'on devrait avoir. Il y a deux types de web services, lesquels? REST ou SOAP. Quelle est la différence? REST avec JSON, SOAP XML. SOAP XML. Et REST, c'est pas l'XML? JSON. Il y a plusieurs. Je vois donc, il a parlé de quoi? Donc, nous allons essayer de voir
de commencer à proposer dans notre application les services, mais en utilisant le web. Donc, on va essayer de savoir quels sont les types de web services qu'on peut utiliser et comment différencier entre les deux. Alors, pour différencier entre les web services, il y a deux grandes questions. C'est quel est le médium qui sera utilisé et quel est le format qui sera échangé. Quel est le médium qui sera utilisé et quel est le format qui sera échangé. Alors, deux grandes questions. Si on vous demande de faire la différence entre les web services, vous dites sur quel médium le support de transport, le support de communication ou bien, et le format d'échange. Juge bien les questions. Alors, il explique que le format d'échange, c'est binaire. Le format d'échange binaire, ce n'est pas un web service. Mais quand un web service, ce n'est pas le binaire. Celui qui envoie le binaire, c'est le RMI qu'on a vu. Mais qu'on envoie un flux binaire. Alors, le support, parce que c'est du web, alors le protocole, autrement dit, qui sera utilisé, donc je mettrai ici les éléments pour REST et je mettrai ici les éléments pour SOAP. Alors, quel est le protocole d'échange web? Donc, on peut dire que ici, c'est le HTTP. Admettons que aussi, ici, on va utiliser le HTTP. Alors, combien de méthodes on a le HTTP? Les méthodes HTTP que vous connaissez. Eh bien, le get et le post et put et delete et patch et hit et options, etc. Donc on va laisser un deux après. On va se concentrer sur les quatre. Alors, si vous voulez utiliser les quatre ou l'ensemble des méthodes qui sont proposées par l'HTTP, il faut utiliser REST. REST, c'est une architecture qui permet d'exploiter l'ensemble des méthodes qu'on a. Tandis que SOAP, il utilise une seule méthode. Laquelle? Quelle est la méthode utilisée par SOAP? C'est la méthode POST. La seule méthode qui existe au niveau de SOAP, c'est POST. Qui peut m'expliquer ça? Ça veut dire quoi? La seule méthode qui est utilisée, c'est POST. Je vais m'aider là. Alors, il va y avoir un envoi de requête. La requête va toucher. Mais le front, dash, va couper. Voilà ma requête, elle est là. Je vais la diviser en deux. Le header et le banner. Le header et le banner. Alors, la donnée, ou les données que je vais mettre, ou bien je vais les mettre ici, parce que c'est du HTTP. Ou bien je vais les mettre dans le banner. Je vais dire les endroits. La request HTTP, il est divisé toujours en deux. Il fera le header, il fera le banner. Il a acheté du fort. Après, il y a des exemples dans le graphe le header. Qu'est-ce que je trouve le header? Le nom de site. Le URL. Qui nous dépend le serveur, les paramètres, le contexte. Quoi d'autre? Le coût, le statut. Status, très bien. Il n'a qu'à une réponse. 200 par exemple, c'est quoi? C'est OK, success. Quoi d'autre?
navigateur. Le client qui a appelé. Garde les informations telles qu'on vous fait. Fluide. Il a utilisé en plus les données. En plus les données, il va être en fluide. Il va être en fluide, il va être la méthode. Get. C'est toujours un envoi. Alors, get. Il est poste, il envoie sans attendre. C'est toujours un envoi. La seule question, on va faire qu'il connaît les données. Il a les données que tu as envoyées en fluide. Tiens, on va aller chercher les clients, il va aller au navigateur pour accepter la méthode get. Pour les données, ils ne sont pas sensibles. Je ne sais pas les mots de passe, mais je vous dis, je vais essayer de faire mot de passe sur get. Je vais essayer de faire sur get qui va aller le navigateur. Ça fait. واحد اخر غيقول لا انا جو في با اونفوي لي دوني في لو فلوريل جو في لي اونفوي في لو بادي اي لا اي اونفوا سي دوني ici par exemple password égal donc ملي تنقول لك لو سو il utilise la méthode post ça veut dire que les données de taille c'est faute ma taille c'est faute je fais le header et c'est faute en fleur في لو بادي. Alors, essayons de voir. On va essayer de voir d'envoyer une requête SOAP. Donc, on vient de voir que par rapport au support, c'est HTTP. Lorsque vous travaillez en SOAP, ça serait POST. HTTP, lorsque vous travaillez en REST, GET. Sauf que dans REST, chaque méthode est spécialisée. Chaque méthode, il fait quelque chose. Un poste va dire qu'il y a la création, la mise à jour, la sélection, il y a des méthodes, il y a poste. Maintenant, ils ont spécialisé les méthodes. Ils ont dit quand est-ce que vous allez utiliser get. Lorsque vous faites la consultation, il y a une select. Les quatre sélectionnés de la base, la méthode get. Quand est-ce qu'on va utiliser POST? La création. Donc, la création de quoi? D'une ressource. Et quand le mot reste, une ressource. Donc, la consultation de quoi? D'une ressource. La création de quoi? Une ressource. C'est quoi une ressource? Tout ce qui peut avoir un nom. Frest, tout ce qui peut avoir un nom, c'est une ressource. Atteindre la liste, il y a des clients, c'est une ressource. Atteindre un client, c'est une ressource. Atteindre une demande, c'est une ressource. Atteindre la liste des demandes, c'est une ressource. Donc, une ressource, c'est tout ce qui peut avoir un nom. Il y a les données avec la base. Ça, on les appelle une ressource. Put. Très bien. Pour update. Et delay, bien entendu, c'est pour supplier. Alors, le reste, rien que tu chauffes la méthode, tu as le type d'opération. Quand je fais la méthode, quand je fais le type d'opération, quand je fais put, quand je fais delay, quand je fais get, consultation. Tandis que SOAP, je dois rentrer à l'intérieur du message pour savoir de quoi il s'agit. Ça fait. Deuxième, le format d'échange. Quel est le format d'échange qu'on a par rapport à SOAP? XML. Quel est le format d'échange qu'on a par rapport à REST? On a tout l'ensemble des formats qui existent. C'est flexible. JSON, XML, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vous qui paramétrez les ports. Alors, maintenant, on va essayer de vous faire un exemple de ça. J'aimerais appeler la méthode add. Je suis toujours un client. J'aimerais appeler une méthode add qui prend deux paramètres. Exemple. SOAP. Le fournisseur doit mettre en place une méthode qui s'appelle add qui prend A et B. Le client doit savoir cette méthode. Il doit savoir comment elle est. Qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? C'est quoi son type de retour? Le fournisseur, il travaille avec le Java.
de clients qui travaillent en .NET. Donc, quelle est la méthode Binetron? Elle la méthode qui est chez nos fournisseurs, il est développé avec quel langage? Donc, je mettrai ici, donc là, le fournisseur, il a mis en place une méthode. Très simple pour comprendre le principe. Smart int add int a int b return a plus b. Et le fournisseur, il travaille en Java. Ça, c'est le fournisseur. Le fournisseur a une méthode développée très simple, développée en Java. Et ils veulent l'exposer à l'extérieur. Regardez les clients bien. Les clients, voilà, ici, c'est son client. Admettons que là, c'est le client. Le client, lui, il travaille avec un autre langage. Même s'il le connaît, on va connaître à fond, mais il a le même langage que. Mais il a déjà été les classes d'hier. Donc, il a déjà été les classes d'hier. Les data lions tout à l'heure. Premièrement, parce que peut-être je ne connais pas les clients. Ou deuxièmement, parce que même si je les connais, ils ne connaissent pas un langage qui n'est pas le mien. Là, ils vont défaire. Le fournisseur, donc là, je pars dans SOP. Il doit procéder à une opération. L'écriture, il n'est pas valable. Vous êtes d'accord, il n'est pas valable? C'est la syntaxe Java. Pour le client, c'est la syntaxe .NET. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, à votre avis, le fournisseur? Il doit faire une description de la méthode. C'est-à-dire la description de la méthode en XML. Je vais le faire. Alors, j'aurai une opération. Il le fait. Ça se génère. Une opération qui s'appelle name égale add. Il a un input, il a deux inputs. Input type. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La description type int, le premier. Name, c'est pas important. Input, le deuxième input type, un autre int. Et puis l'output, le type de retour, ça serait un type de int. Et fermeture de mon opération. Et là, je vais faire la description. Je vais faire le Java, je cache le langage. Et l'XML est supporté par l'ensemble des langages. Donc, à votre avis, mon client, il doit avoir la syntaxe du Java ou bien la description de la syntaxe du Java? La description. Mais nous, on dit que la syntaxe dit Java, mais c'est un Java. Donc, on a la description. Je ne pense mieux à la description. Web Service Description Language. Web Service Description Language. Un fichier XML. Il se génère. Comment on le génère? Par plusieurs outils. On peut utiliser Java. Tour, WSDL, de Axis. Exemple. Un petit, après, les classes Java, avec la description bien. Avec la description Kensimura, WSDL. Alors, ce WSDL, je vais le déposer dans un annuel. Dans un annuel. Je nous Kensimura d'un annuel. Le DDI. Annuel. Pas l'annuel des entreprises. Si vous voulez chercher une entreprise, qu'est-ce qu'on compasse avec les annuels différents, les pages jaunes. La page jaune pour les web services. Donc, si un client, il veut un web service basé sur SOAP pour la météo, fait le réussir. Réussir l'annuel. Donc, les clients, ils ne connaissent pas les fournisseurs. Mais ils connaissent l'annuel. L'annuel qui connaît. Alors, c'est quoi le site d'Xmethods, par exemple? Les annuels, c'est quoi le
un web service basé sur ça, ben, je ne dois pas savoir le client, mais je dois savoir l'annuaire des web services. Et donc, le client, il se connecte à l'annuaire pour faire quoi? À l'annuaire, c'est pour offrir les WSDL. Il va récupérer le WSDL. Le WSDL, je l'ai fait. Trois éléments. Le client, il a besoin de quoi? Là, tu confies la description. Un, pour les modèles. Description via les modèles. J'ai la classe client qui a l'attribut X, l'attribut Y, etc. La description via les modèles. Qui a la description via les interfaces. Ou fait. Donc, هذوك لي تروز ايليمون اللي كان ناقصنا في اريني عاوتاني كاينين هنا ولكن سو فورم دا فيشي اكس ام ال فيه كلشي اون فالو فوار توت الوغ تيكون فيه تايب تيكون فيه بورت تايب وتيكون فيه لور صافي ملي غادي يوصل دونك لو كليون دخل لانيير لقى فيه دوبل في اس دي ال شنو غايدير لو كليون لوبيراسيون انفيرس ولكن فيغ كي لونغاج دونك واي با فير دو في اس دي ال تو فوالا لو برينس لو برينسيپ دو سون هذا هو لو برينسيپ ديال سون جو كوني با مون كليون عندي واحد لانيير كنحط فيه لو فيشي دو في اس دي ال لو كليون سي لا بيزوان دو دابلي اي دو تو دابو تابي في لانيير اي جيب لو فيشي دو في اس دي ال و في لا كونفرسيون على حسب لو لونغاج ديالو تري سامبل. Des questions par rapport à ça, c'est très simple. On ne va pas l'utiliser parce qu'il n'est plus, il est rarement utilisé aujourd'hui. Très bien. D'accord, mais la date est sécurisée, bien entendu. Et nous sommes en train de faire des tokens. Je ne sais pas si vous avez dit que l'annuaire est automatiquement en train de faire des tokens. Non, d'abord, c'est ce que je viens de faire. Mais vous avez dit l'appel. Est-ce que vous avez dit l'appel? Pourquoi j'ai fait ce chicken? Je vais vous récupérer. Rien pour Hadou. Mais je n'ai pas appelé. Le flux, je n'ai pas appelé une méthode. Lorsque j'ai la plateforme, j'ai l'environnement, j'ai les modèles, j'ai les interfaces, j'ai l'URL, je commence à appeler. Et c'est là, c'est les payants, c'est là, là, vous n'avez pas le droit, mais avec le token pour rentrer. Et dans l'opération, la machine appelle. Maintenant, je prépare quoi? L'environnement d'un client, en tout cas des éléments. Alors, le client maintenant, il a les éléments, je vais commencer à appeler. C'est là où je vais commencer à appeler. Quel est le message qui sera envoyé? Voilà, mon client, qu'est-ce qu'il a montré? WSDL, menin keji le WSDL, UDDI, je crois qu'il y a un peu de DDI, le fournisseur. Voilà donc la chaîne. Alors, lorsque le client il aura automatiquement par une conversion, il aura les modèles et il aura des interfaces à l'accès de langage. Il va commencer à créer un objet. Donc, il aura un int, c'est a égale 10. Donc, il va essayer de faire un appel. Classe appel
en langage de mon client. Alors, int b égale à admettons 10. Et puis, j'ai l'interface. L'interface i égale, donc on verra comment avoir l'objet de l'interface, i.add. J'appelle avec le langage .NET ici. Et je donne A, B. Je vais dire que je vais mettre le client. Se forme de quoi? J'ai des données que je dois envoyer. La méthode Kane and le fournisseur. Ça serait quoi la sortie? L'appel, ça serait un message sort. WSDL, qu'est-ce qu'on dit? Rien pour préparer la plateforme, l'environnement, machine pour faire l'appel. Le message sort, le format de l'air, c'est comme ça. Il faut faire l'enveloppe, fermeture de l'enveloppe. Très rigide. Obligé. Obligé qu'on ait l'enveloppe. C'est un standard. On appelle quoi? Standard. Je n'ai pas standard. Mais avec le hack de deux. Contrairement au reste que vous allez voir, ce n'est pas un standard. L'examen de Kito, vous avez comme étudiant, vous avez comme. Là, le message qui sort suit le standard SOP. Il y a une enveloppe. L'enveloppe, elle confie le header. Alors, le header, ça c'est pour répondre à votre question. Security. Il y a un peu de token, il y a un peu de service sécurisé. Donc, ça c'est pour le token. Et le bas de mot. Et je lui dis, j'aimerais appeler une méthode qui s'appelle add. Et je passe 10, fermeture de add. Et add, il sera divisé en deux, add request. L'appel, la méthode, dis-moi qu'est-ce qu'on divise en deux. Le message stop qui est au sein de client, il me fait l'opération, je vais dire, qui a déjà oublié un message stop, qu'est-ce qui change? Add request, ça te dit add response. Et donc, voilà le format d'un message stop. Quand est-ce que j'envoie? Peut-être qu'on a dit l'environnement bien préparé, on dit les classes modèles, on dit les interfaces, les URL, et je peux parler d'un message stop. Qui peut envoyer un message swap? C'est un client qui a bien préparé son environnement. Alors ça, ce n'est pas utilisé actuellement, ça, mais on doit le savoir. Ce qui est utilisé actuellement, c'est REST. C'est la raison pour laquelle on va passer directement à REST. D'accord? Et puis, si le temps reste, on implémente ça en utilisant AXIS. Parfait. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois travailler sur notre application pour séparer la couche présentation et la couche service en se basant sur le REST. REST, ce n'est pas un standard. Il n'exige rien du développeur. Il n'y a pas un format spécifique par rapport au flux XML. Alors, j'ai ma couche présentation. Donc, je donne d'abord le. C'est la partie présentation. Alors, front. Est-ce que le front est une application web? Oui. Donc, c'est ce qu'on a appelé la partie présentation. Parce que c'est une application web, il doit tourner dans un navigateur et il devrait être hébergé dans un serveur. Donc, j'aurai une première instance dans mon serveur qui contient, pas forcément Tomcat, ça peut être le ZIA, si vous travaillez en .NET, etc.
Alors, j'aurais toujours, on sait que dans l'autre exemple, la couche présentation, elle doit me faire sortir un objet client ou bien un objet demande. Ça, je le sais. Alors, c'est avec Chili de Matan, on a la couche présentation. Le but, il y a là, un objet demande ou là, un objet. Alors, cet objet, ça devrait être sérialisé en JSON, obligatoirement. Maintenant, on va travailler en reste. Donc, on sera amené à introduire une API qui prend l'objet et le convertit en JSON. Maintenant, c'est une API. Quelle est l'API Java qui prend des objets et les sérialise en JSON? Jackson. Hein? Jackson. Alors, on aura besoin de Jackson. Dependency. Et là, je vais vous donner des dependencies pour faire la conversion en JSON. Yes. Vous la conversion en XML. Quelle est l'API qui fait la conversion en XML? Jax, B. Alors ça, c'est dependency. Hedy, Jackson, il fait la conversion en JSON dans les deux sens. Je vais me mettre dans les deux sens. C'est un peu plus moi, le classe de la JSON ou le JSON de l'objet. Dans les deux sens. Il m'a dit un objet ou un JSON. Il m'a dit un JSON ou un objet. Ou il dit la même chose, sauf qu'en XML. Alors là, on va faire quoi? La sérialisation ou la désérialisation? On va faire l'appel. L'ajout. Donc là, on va sérialiser. Yanni, sérialiser. Un ardo. Objet. Un houle. JSON. Avec JSON, il va passer. Va dire un autre serveur. Très bien. Un deux serveurs va déconfiner le back-office. Un deux serveurs va déconfiner la partie Data Access Object qu'on a déjà développée et qu'on va améliorer aujourd'hui. Et va déconfiner la partie service. Et réconfier les éléments qu'on va rajouter aujourd'hui pour les ressources. Ça fait, déjà Kenny, on va l'améliorer rapidement pour utiliser Spring Data, ou on va introduire d'autres aspects ici pour les ressources. Alors, Kenny, le JSON, est-ce que là j'aurais besoin de la dépendance Jackson? Non. La dépendance Jackson, le back office, et là, Canada, c'est le back. OK, dans un autre serveur. Moi, je dois l'aurai ou là, non? Oui, je suis spécialisé. Je dois l'aurai. Il y a une indexion de dépendance, mais je vais dire la conversion. Donc, aussi, ici, j'aurai Jackson dépendance. Alors, voyons voir si on a dans notre client. On va essayer de rassembler tout ce qu'on a fait. Notre client. Le client est là, le navigateur. Le navigateur, j'allais être chez lequel vous le cambiez. Navigateur, FinTekon. Navigateur, t'es un client. Mais je ne parle pas de navigateur. Tu as l'application Gedi. D'accord. Alors, navigateur, il va cliquer sur un bouton. OK, Add. Et la requête va entrer. Quel est le premier composant des radiches? C'est quelle requête d'abord? Je ne sais pas. Le type. HTTP. Alors, on a une requête HTTP. Radio-tossal de frontal. Je n'ai pas le composant spring-littère ou de toutes les requêtes. Très bien. Littère ou de guerre, les requêtes, c'est mineur. Dispatcher. Server. Etc.
Donc là, on a construit. On sait que la notation model attribute. Quelle est la notation du model attribute? Je ne sais pas. Ah, tu as des champs, des ciseaux, non? Ou tu as l'objet client? Alors, l'objet client, là, je vais dire 12 en plus. C'est parti? Jackson. Là, je t'ai dit la conversion. C'est une chie. Alors, là, je vais trouver une requête. Projet à quoi? Serveur à quoi? Je vais trouver une requête. De quel type? Le type de la requête. Là, vous tuez HTTP. Quel est le type de la requête qui entre main de front, le back office, on a fait le web service. HTTP. Alors, il y a web service qui est là. Fini pour les web services. Finish. Le front ou le back office. هنا أبل عادي هنا أبل HTTP عادي أشنو الفرق بين هاد HTTP اللي هنا وهاد HTTP اللي كاين هنا كي بمو دير HTTP الثانية فيها الريبوند فيها الموديل HTTP الثانية أشنو فيها فيها الموديل فيها الموديل حتى هنا فين لو موديل لأن أشنو الموديل أشنو هاد لي دوني هادو بغيت نجيب أجوتي أن كليون A200 qui a l'âge 30. Et dans les données, qu'est-ce qu'il fait de la requête HTTP ou de ma Kenny? Kenny. Ou qu'est-ce qu'il fait de la requête HTTP ou de ma Kenny? Kenny. Fabrice Rico. Il a quel même support? Finis pour le faire. Le format. Il a quel même support? Il a quel même support? Il a la requête HTTP. L'aide, il y a des navigateurs. Quand c'est fait, j'ai ça. Achetez-vous 4-7. Quel est le format qui est le navigateur? Il a quand la requête HTTP, il y a un header et le body. Quand tu as le nom de l'input, on se met nom, N, on se met à la marche. Quand tu as le nom, N, reçoit la valeur qui a été saisie. C'est-à-dire qu'il y a le format HTTP, il y a un header. داك الشيء اللي كتشوف في الوراد سي لا ميم شوز اي لو ا ايغال 30 دونك هاد لي دوري اما غيمشيو في الوراد اللي يبانو لك الا كنتي خدام بالكاد اما غادي يمشيو في لو بوست دونك لو فورما هذا سي لو فورما اتش تي تي بي عادي طوندي كو هادوك لي دوري ملي غادي يخرجوا et que c'est mettre la même chose, c'est mettre Jackson la même request. La différence a dit qu'on fait le format, admettons que c'est le header. Alors, dites-moi, le format il change. Elle va dire le JSON. Clé valeur. Alors, la clé de l'oula. Elle a un objet. ماشي الانبوت ما ما بقيتش كنشوف الانبوت الا مشيت حتى حولت الانبوت لكليون سي كيس كو جو كونفيرتي اون جيسون لو كليون دونك كندخل لو كليون تنقول شنو سميت لاتريبي الاول الوغ نو باغ اكزومبل دو بوان لا فالور كيل كونتيان ا 200 point virgule, le quoi d'autre, l'âge est 30. Alors la différence, voilà, c'est toujours du HTTP, rien, oui, ça c'est le point virgule, c'est le postman, point virgule, on verra, on va checker tout ça. Alors là, la communication, c'est entre le navigateur et le frontal. Je n'ai pas dit des applications. Les binettes sur l'HTTP. Navigateur ou le frontal. Et là, l'HTTP, c'est entre le frontal
et le back office. Le format d'échange ici, c'est format HTTP classique, les techniques faire le e-commercial. Et là, le format, c'est selon le client, la configuration leader. Il y a dans la conversion en XML, là, il y a un format XML. Dans la conversion en JSON, là, il y a un format JSON. Ça fait? Donc, on va essayer de voir dans notre application qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir implémenter ça. Et c'est le but de notre projet. Et qu'on a un projet frontal, et qu'on a un projet back office. C'est le but. Et là, maintenant, on se voit. Ça, c'est tout. D'accord? Ok, donc essayons de voir. Donc, je reprends notre projet PFE et l'amélioration sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est séparation de la partie présentation et la partie service. Alors j'ai une question avant de passer ici. J'ai une question. Alors ici, vous avez dit lorsque je reçois le JSON, admettons que c'est le JSON que je reçois, il va entrer ici. Est-ce qu'on va désérialiser ici? On va désérialiser, tout le monde est d'accord? Pour faire quoi? Désérialiser pour faire quoi? Convertir le JSON qui rentre en objet. De quel type? Quelle classe? Client. Alors, la classe client, on sait à l'avance que la classe client, il contient des annotations. Lesquelles? Ces annotations que la classe client contient. La classe client, le modèle qu'on a avec le service Data Access Object. Arrobas. Entity. Ou faire arrobas. Peut-être. Colonne. Faire arrobas. ID. Faire. Par exemple, minute 1. Faire des annotations. Des annotations, c'est pour les accès à la base. Est-ce que vous serez d'accord avec moi que la classe client doit exister le frontal et il doit exister le back? La question, est-ce que c'est la même classe? Non? Les attributs des règles qu'on a pas. Les attributs qu'on a pas. Les annotations qu'on a pas. Alors, il y a un juge qui a des clients. Avec un autre client. Il fait l'ajout, la même opération. Il va rajouter le nom, il va rajouter l'âge, et en plus, il va rajouter ici. C'est un autre client. La requête qui est un mobile. Même chose, neuf. Tout le monde va dire l'ajout. On va dire l'ajout, on a la méthode d'ajout. Donc tu vas faire la même chose. Même opération même. C'est une opération, c'est un exemple. Mais j'ai les mêmes attributs. Donc qu'est-ce que vous allez me dire par rapport à ça? Est-ce que les classes clients, avec la partie frontale, on met les classes clients, on a les classes modèles pour être général, tu sais qu'on ouvre la partie back office. C'est le cas, mais généralement, c'est le cas. Peut-être qu'on a avec une application, une carte très dame le mobile, une carte très dame le web. Le même service. Voilà qu'il peut être des vieux, il change. Mais je sais pas. Premièrement, il y a des informations dans la base. Il y a les colonnes qui sont dans la base. Mais il y a une question de la classe frontale et je ne sais pas la base. Deuxièmement, parce que la partie frontale, il peut y avoir un exemple de la partie frontale pour un service web. Ou les vieux, il peut y avoir de l'eau. Et finalement, parce que le nom, il peut y avoir de l'eau. Le back office, sans avoir à changer le frontal. Comment je dois résoudre le problème et comment on l'appelle?
شنو كنسميو هاد لو بروبليم؟ لو بروبليم اللي تنهضر عليه لي كلاس كليون اللي عندك في الفرونت ماشي هي لا كلاس كليون اللي عندك في الباك اوفيس. Ça s'appelle quoi? Data Transfer Object. L'objet client, il y a un des noms, frontal, un de vos hymnes. Je n'ai rien. Transfer Data. Les données, les index review, à des services. Mais il y a deux choix. Dis ceci par rapport au. Le mapping, ماشي يكون فيه identity, ماشي يكون فيه column, هذاك ماشي خدمته. دونك هاد لوبجي اللي كاين هنا وهاد لوبجي هاد لا كلاس باردون اللي كاين هنا شنو الدور برينسيبال ديالها؟ هادي اللي كاين هنا الدور برينسيبال ديالها انها تحط في لا باز تحط لوبجي في لا باز. داكشي علاش؟ غيكون فيها هاد لي زانوتاسيون. Tandis que la classe les GIA, qui est la frontale, machine, la base, là, de faire un transfert de données. Les données de 6 heures là, et aussi le bac, 15 millions, un objet pour transférer les données, data transfer object. Après, on a un le mot Adam. Monsieur, de vous, c'est le silence, la classe de هاد السي لا السي اللي خدينا من الموبيل الموبيل يهز الاول ال او السي. حنايا عندنا في الكلاس ديالنا في الباك اوفيس ما عندناش السي في الكلاس سيكون لا سيكون الباك اوفيس سيكون ضروري يكون حيت الباك اوفيس سي في لو سيرفيس بور تو الموند خصني نجاوب دوكو لي فيو خاصهم واحد المينيموم ديال اللي ما خصوش يكون اللي ما خصوش يكون ان هذا السي يكون عندي في الويب لا كلاس اللي كاينه في الويب نشوف هاد دوكا لا كلاس كليون اللي كاينه في الويب شحال من اتريبي عندنا او يكون عندها ا اب لا كلاس اللي غتكون في الموبيل كليون غيكون عندها ان ماشي ا ان 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 لو نو اي لاج هذه غيكون عندها لو نو لاج سي وهذه اللي كاينه هنا خص يكون عندها كل شيء لي دوا اون غروبي لو تو وي با ابخي يل في لو تيست في الباك اوفيس غيكون عندها كليون غيكون عندها ان ا سي الى صيفط من الويب غيبقى هذا خاوي الى صيفط من الموبيل غيولي عامر اللي ما خصكش دير هو تاخذ لا فيو ديال واحد الفرونتال وتحطهم في الفرونتال اخر مثلا واحد جا دار ليه نسي لا فيو ديالك ما فيهاش سي فهمتي طوندي كو في لو باك اوفيس وي يدوا نبروفي لو تو وغادي نبواك فيه صافي اذا اون سي مي داكور كو لي كلاس اللي غادي يكونوا في الفرو في الباك اوفيس لي كلاس موديل ما غاديش يكونوا هما لي كلاس اللي غايكونوا في الفرونت شنو غنحيدوا منهم نحيدو لي زانوتاسيون باش ما نعطيوش لي زانفورماسيون دو باز ديالنا لان كليون فرونتا صافي اوكي okay, alors réaliser on essaie de voir qu'est-ce que ça va qu'est-ce qu'on va essayer de faire
Très, très bien, donc je reprends le projet PFE. Un petit rappel de ce qu'il contient pour le moment. Il contient les mélangés, on a mélangé dans ce projet le bac et le front, chose qu'on ne devrait pas faire. Donc je ferai un copier-coller à ce projet et puis on divise. Donc commençons par le back office. Voilà, back office. Voilà. Donc, j'ai séparé. Maintenant, le back-office, nous, on sait à l'avance qu'est-ce qu'on trouve le back-office. Vous allez me dire qu'est-ce que je dois enlever, le projet. On a de la partie présentation. Donc, j'enlève le package. Aslan Hada, on l'a fait juste pour tester la sérialisation. Donc, je peux l'enlever. OK. Je te dis le projet back office. Je te confirme. Le modèle DAO services. Parfait. Alors le DAO, on va améliorer un peu. Alors maintenant, presque tout le monde sait comment créer une méthode en utilisant GPA. On a bien parlé de l'entity manager, la transaction. Donc les informations nécessaires sont passées. Maintenant, on va basculer vers Spring Data. Toutes ces méthodes existent déjà. La méthode insert, la méthode find by, etc. Tout ça existe. Donc, je n'ai pas à implémenter là. Oui. Oui. Je vais le dire. On s'agira l'affichage carrément. OK. C'est bon? C'est bon pour les gens qui sont derrière, c'est bon? Alors, maintenant tout ce qu'on a fait ici, insert et update, tout ça, ça existe. Donc, nous, les méthodes, elles existent déjà. Donc, lorsqu'on utilise Spring Data, on n'a pas à implémenter ces méthodes parce qu'ils sont déjà dans le framework. C'est la raison pour laquelle je vais enlever, je n'ai pas donné beaucoup d'importance à ça, je vais enlever demande, impl, et je vais enlever l'implémentation. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que les interfaces. Et c'est même pas la peine de déclarer ces méthodes parce que ça existe déjà. Donc, toutes les méthodes existent déjà. Voilà qu'il y a condition de faire extend crud repository. Crud repository fait qu'il y a une. Donc, je le fais. Voilà qu'il ne va pas marcher parce que je n'ai pas la dépendance pour Spring Data. Donc, je récupère la dépendance pour Spring Data. Elle est là. Je reviens
dans le pom.xml, je rajoute la dependency. Alors, Spring Data GPA, c'est pour bénéficier de l'ensemble des méthodes find by qui existent déjà au niveau de Spring Data. Une fois que vous avez rajouté le jar, vous faites un lien crude repository. Alors, ici, on donne la classe libre et l'indéroulé à l'écrude ou la clé primaire, le type de la clé primaire. Le halad yanna, ça serait quoi? Il y a la classe libre et l'indéroulé à l'écrude. Client, donc je passe. Oui, c'est pour client. Et le type de la clé primaire, c'est integer. Très bien. Le type dialogue, il a qu'un composé. Le type dialogue, il a qu'un composé, le type dialogue. La clé composée, c'est une classe. Oui. Avec la classe. Parfait. Alors, je fais la même chose par rapport à demande. Crude repository par rapport à demande. Et aussi, l'ID, c'est un integer. Il est derrière l'opération. Donc, juste, oui, j'ai le jar. Spring Data, Dirt Implements, Crude Repository. Chez le service, marque de service client, et j'appelle DAO. Point. Ok, je rentre à la méthode. DAO. Point. Remarquez les méthodes qu'il me donne. Ce n'est pas lisible. Donc, il me donne delete all. Find all, find by. Les méthodes, elles sont déjà développées. Donc, l'avantage de Spring Data, c'est que il enlève l'implémentation de LDAO. Il a dit que l'implémentation de LDAO, je ne t'ai pas dit. Tu as dit que tu concentres un service. C'est ça le but. Ne pas perdre du temps, des aspects techniques liés à la base. Les méthodes nécessaires, maintenant, on va se concentrer sur la partie service. Alors, on va modifier notre classe insert. On l'avait développé l'autre fois. Comment on va l'appeler? Quelle est la méthode? C'est la méthode, il devient save. Celle de Spring Data. Déjà qu'il y a avec la méthode insert. Le client qui a été inséré. Donc je change. Ça serait un client. On utilise l'interface. Bon, j'importe, pardon. L'interface, je nous fais à l'interface pour le moment. Mais FH, l'interface de quoi? Qu'est-ce que je dois changer ici? L'interface de la couche service. Mais si il y a DAO, donc à dire, l'interface service, lorsqu'on insère un client, le type de retour, ce n'est pas un boolean. Parfait. Je reviens. Alors, la méthode, elle est faite. Celle-là, l'insertion, l'update. Vous récupérez l'ancien. Donc, l'update, on récupère l'ancien. Client, old, égale. Comment je récupère l'ancien? DAO point. Find. By. By quoi? By ID. Les méthodes, je ne les ai pas développées. C'est ça l'avantage de Spring Data. C'est les méthodes nécessaires. Var ID, tu as un client, c'est un d.get ID. Je modifie. Alors, find by ID, qu'est-ce qu'il y a? Find by ID is not appliqué. Donc, qu'est-ce qu'il prend? Ok, find by ID, il donne, donc je donnerai un get, peut-être c'est une option. D.get. Get ID, parfait, point get. C'est pas all, c'est all, what is it? Donc get by ID, je vais vérifier, point get.
Très bien. Voilà le client. Nous avons fait un GPA, select, ou dire. Donc on ne le fait plus. D'accord, il y a les méthodes déjà qu'il. Il faut juste ajouter le jar. Je modifie old set cn par la nouvelle des points get cn old point set voilà le nom par des points et après je fais un save. Après je fais dao point save et je passe le old qui a été modifié. Ça c'est l'update. Après delete, donc le type de retour de save, c'est quoi? C'est un client. Donc je retourne ici un client et je retourne ici alt. Pardon. Je modifie aussi dans l'interface pour avoir une signature correcte client. Parfait. OK, c'est bien. Alors on passe. Delete. Oui, transactionnel. Je l'ai fait. Très bien. Donc, je le prends. Alors, je ferai quelque chose que je ne dois pas faire normalement. Je le fais spécialement. Alors, toutes les méthodes maintenant sont transactionnelles. Delete. Alors, quelle est la méthode que vous allez appeler? DAO. On va voir. On a delete by ID. C'est défini. Là, j'ai rien défini. Donc, là, je change la signature. Maintenant, c'est l'ID de mon client. Ça serait quoi le type de retour? Ça serait void. Donc, ici aussi, je ferai un void et je return. J'ajuste la signature de l'interface. Delete, maintenant, il prend l'ID et il ne retourne rien. Voilà, c'est parfait. Select one. Select un client. One, voilà, play. Par ID. Il va retourner quoi? Un client. Donc, j'ajuste aussi cette signature, l'interface. Alors, select, voilà. Parfait. Et je reviens pour voir quelle est la méthode Spring Data qui cherche un par ID, DAO.find by ID. Et je donne ID et non pas all. Parfait. Et dites-moi point get. Parfait. Et ajoutons select all pour voir les JSON tout à l'heure. Donc on va rajouter une autre select all qui ne prend rien, mais il retourne l'ensemble des clients qu'on a au niveau de la base. Parfait, j'importe la collection liste. OK, alors rajoutons l'implémentation de cette select all. Parfait, la méthode Spring Data qui permet de rajouter, de chercher, c'est find all. Et find all, peut-être je dois caster. On liste clean. Parfait. Donc, si vous voyez votre classe d'implémentation, il y a les méthodes nécessaires pour accéder à la base. Si vous voyez la partie base par rapport à client, la seule chose que vous trouvez, c'est une interface vide. Mais ça devrait être repository. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce que c'est le repository? L'interface. Mais je sais ce qu'on faisait auparavant, quand la classe d'implémentation est le repository. Parfait. Il vous reste à activer le repository par la notation enable repository. Donc je vais la faire en XML, l'activation des annotations. Voilà. Donc c'est ça l'activation ou l'équivalent de arrobas. Monsieur, le partage. Oui, je reviens. Alors, je récupère, je pars à mon fichier de configuration. Donc, je vais partir à mon fichier de configuration.
Voilà, ça je l'enlève pour que ça soit propre. Test servlet. Et je rajoute une activation GPA repository. Elle dit la même chose, c'est-à-dire dire configuration par classe, c'est-à-dire fokmena arrobas enable repository. Voilà qu'on a besoin de l'alia. L'alia, c'est un schéma. Déjà, je vais vous donc, nous allons dire l'alia. Le fok. Voilà, donc je monte. Alors, had le schéma d'ILH. Kramzian, d'ILH had le schéma d'IZET. Spring. Spring Data. Donc, c'est Spring Data. Je vais utiliser maintenant le schéma de Spring Data pour activer la notation repository. On zid had l'alia, le fok, l'ismita GPA. Donc, c'est un XML namespace. Donc, on va le fok, on zid l'XML namespace. Je vais le comme alia. XML, GPA. On a besoin de GPA pour entrer les balises qu'il y a dans le namespace comme ce qu'on a fait avec les tags, si vous vous rappelez. Parfait. Donc, je le dis jusqu'à présent. J'ai récupéré la dépendance Spring Data. J'ai fait le lien extend avec le CRUD Repository. J'ai enable Repository dans le fichier de configuration. C'est parfait. Alors, ça, c'était ce qu'il fallait faire pour améliorer la partie Data Access Object. On va passer à notre objectif. Alors, maintenant, je change légèrement pour avoir ça, c'est propre. Alors, je prends ça, je le mets dans e-service. Je change quoi? Client par demande. Lyon par demande pour faire la même chose par rapport à demande replace all. Parfait. Je prends l'implémentation aussi de la couche service, de la couche client, parce que c'est pratiquement les mêmes méthodes qui se répètent. Alors, client, je vais copier le client, je le mets dans voilà, demande. Et je change, même chose, client par demande. Voilà. J'ai implémenté maintenant les quatre opérations. Il y a quelque chose qui cloche ici, je ne sais pas pourquoi. Un getCN, ce n'est pas getCN. Donc, laissons ça après. OK, alors allez-y. Maintenant, je pars. J'aimerais faire sortir la couche service. Et maintenant, des JSON, ou on a des JSON. Jackson. Donc, on récupère la dépendance Jackson. Voilà. Je pars à mon pom.xml. Alors, je vais enlever ça. Toujours pour avoir le projet propre à partager après dans GitHub. Voilà, je rajoute la dependency Jackson. Combien de dépendances on a rajouté aujourd'hui? Deux. Spring Data et Jackson, comme vous voyez. Alors, les deux convertisseurs, deux objets qui déroulent la conversion automatique, je vais les mettre dans un fichier de configuration. Des bins que je dois créer. Alors, une autre configuration pour créer un bin. On essaie de voir ce bin. C'est pour donner les classes qui convertit automatiquement. Donc, on a un juge dit les converteurs. Juge dit les objets. Wahed pour la conversion. JSON, avec la classe Diallo, faire ce qu'on a de la classe. Faire ce qu'on a de la classe. Bin, JSON, message converteur, peut-être une classe. L'équipe dire la conversion. Jackson,
دونك الا ما كانش عندك جاكسون ما غتخدمش ليك هذا ولا لوطخ الا بغيتي دير لا كونفيرسيون اون اون اكسل وفي الاخر جي دوني دي ريفيرونس قلت راه نقدر نخدم جي سون ميساج كونفيرتر او لا اكس ام ال ميساج كونفيرتر كو جي ديكلاري افون دونك هنا شنو درت جي كخاي واحد لوبجي اللي كيدير لي لي كونفيرسيون اوتوماتيك وعطيت لي كلاس ديجا اللي كيديروا لا كونفيرسيون دونك الا قلتي لي اشني اشني لا كلاس اللي كدير لا كونفيرسيون في جاكسون غادي نقول لك فوالا لا كلاس مابين جاكسون تو اكسيتير قلتي لي كيري لا كلاس اللي كدير لا كونفيرسيون اون اكس ام ال غنقول لك لا كلاس سي بون دونك هاد لي دو كلاس سي بور فير لا كونفيرسيون كو سا سوا اون كونفيرسيون اكس ام ال او لا اون كونفيرسيون جيسون بارفي الوغ Maintenant, on essaye de voir, de créer le contrôleur REST contrôleur. REST contrôleur. Alors, on va essayer de. Je vais améliorer. J'améliore le schéma. Ce que je suis en train de faire. Je reviens le temps. Je vais montrer que les grands composants. Alors, le navigateur. Le navigateur. Un clic. Add. Le navigateur. Le clic, il part. Il est le projet qui va recevoir. Le front. Le front, c'est le dispatcher. Servlet. Alors le dispatcher servlet il passe la request. Le même. Arrobas contrôleur. Arrobas contrôleur. Le but d'IALU c'est de d'avoir le client, l'objet client. Client C. Les données qui sont saisies. Avec les clients C qui vont être. Jackson. Jackson, je n'aurai pas rouge. JSON. Donc JSON, il part. Rayoson. Rayoson, Jackson. Donc la couche inférieure, c'est toujours Jackson de conversion pour convertir. Alors, Kayoson, la partie back. Alors, là, j'aurai la conversion. Jackson. Bon, elle va être automatiquement. Normalement, c'est cool. L'inverse, elle est celui qui détient. Elle c'est l'HTTP. T'as fait bien. Et ici, c'est l'HTTP. Je connais 10 minutes l'HTTP pour les projets. Toujours dispatcher. Il donne la même chose. C'est qu'on a dit dispatcher. Où est-ce que vous avez dans le quest? Un REST contrôleur, l'inverse. L'INA, ben, c'est quoi le contrôleur? C'est qu'on lui a donné, j'ai eu ce format I égale 5 et N égale 6. Mais quand j'ai ça, je fais le contrôleur. Là, c'est différent. Il a dit un contrôleur, mais il a dit que je fais le contrôleur. Le contrôleur, par définition, c'est un format de ce genre. فهمنا هادي فهمنا علاش اذا هنا لا ميم شوز il va faire passer arrobas rest contrôleur après rest contrôleur il va se baser sur pour faire la conversion sur jackson هنا فاش غنستعملو jackson اذا شكون اللي يستعمل jackson واش le dispatcher ou le contrôleur le contrôleur غتلاحظ سيرفيس ديسباتشر خدا عطا الكونترولر استعمل جاكسون خرج جيسون جات عاوتاني ايسي لا ريكويست شدها لو ديسباتشر عطاها لريست كونترولر استعمل جاكسون باش يربطو اوبجي الى رجع اوبجي شكون اش غنعطيو راه سيرفيس هذا شي كامل سيرفيس دي او شنو غنديرلو Mais pour comprendre le schéma, ce qu'on est en train de faire, le schéma qu'on est en train d'implémenter.
Eden, achnoxne, là, la partie back office, étant donné que je suis le back office. C'est le rest controller. Donc, essayons de créer rest controller. Alors, je vais créer au niveau de services une nouvelle classe. Je vais l'appeler Client Resources. Là, je propose des ressources à l'extérieur. À de la classe, il sera appelé par le dispatcher. Je vais l'appeler, je vais la noter par Risk Controller. Quand est-ce que lorsqu'on reçoit l'URL slash API. Maintenant, c'est une interface API. D'accord? Pour les clients, je commence. Quelles sont les méthodes que le frontal peut faire? Frontal, je vais dire, par rapport à un client. Il peut ajouter, consulter. Commençons par la consultation. Alors, get mapping. Get mapping. Il a le petit get mapping. Je n'aurai de faire consultation. Très bien. Alors, slash, le path de la méthode, le chemin, slash, create, accept, là, slash all, brite les éléments complets. Ce quel format? Rajoumli. اش من فورما غادي نعطيهم للفرونتال دابا ما تنساش راه كنهضر مع الفرونتال بغا جيسون دونك برودوسيز ايغال ميديا تايب بوا ابليكيشن جيسون فاليو اوكي الوغ Cherchons c'est MediaType, la classe MediaType. Alors elle est là, il n'apporte pas MediaType. Il contient des formats. Il contient les formats MediaType. Kena JSON, application JSON value. Je vais faire une application JSON value ou application JSON. Donc je vais enlever ça. Je vais faire une application JSON. Le type. Le type. Non, c'est un attribut. Mais chez méthode, je te vois le type de routeur. Le type de l'attribut, c'est quoi? Le ou application. Media type ou hada? String. Donc, alors, je vais utiliser celle de string. Ok, media type, il a, bon, je vais l'importer parce qu'il n'a pas importé. Import arc.springframework.http, je crois. MediaType, ok. Point. Il ne me donne pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas. Donc, je rentre et je le prends automatiquement. MediaType. Alors, MediaType, il ne faut pas imaginer que c'est toujours XML. Alors, MediaType, il me connaît quoi? PDF. Ah, c'est PDF ou ça suppose qu'on a des les états. Donc, tous les types sont possibles en JSON. OK, donc je prends JSON value, c'est ça. Application. Voilà. Alors, cette méthode va produire JSON. Qu'est-ce qu'il consomme? Je vais réattainer le client, je vais réattainer la liste. Get all. La get all. Je vais réattainer. Mais quand je vais réattainer, c'est une site consumes pour savoir qu'est-ce que je consomme. OK, allez-y. Ma méthode, je vais l'appeler
get all. Il ne prend rien. Aidez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ça serait, il est public. Il va retourner une liste de quoi? Des clients. Voilà la méthode. Une liste des clients. J'importe la liste. J'importe le client. OK. Alors, qu'est-ce que je dois faire après? Donc, avant de la signer, et client, service, et je fais quoi? Très, très bien. Arrobas, auto, wire. Et j'appelle ma méthode, return. Return service point quoi? Select all service. La méthode select all de KNF service. L'interface select. Ok, allez-y. L'autre, créez-moi la méthode pour créer un. Créer un client. Qu'est-ce que je dois faire? La méthode pour la création, c'est post mapping. OK. Le path égale slash add virgule. Qu'est-ce qu'il consomme de la méthode? Je n'aurais gêné autrement le client. Ou XML, ou JSON. JSON. Donc, consumes